j'ai fait une jolie photo avec même une jolie lumière d'un rhinocéros noir qui passait par là. Et les rhinocéros noirs, il en reste 3000 en Afrique. Donc ce jour-là, on en a vu 3, donc on a vu 1/1000 de la population mondiale de rhinocéros noirs, ce qui est assez impressionnant. Cette autre photo, elle est beaucoup plus à propos de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à propos du fait que des rhinocéros noirs, il en reste pas beaucoup, qu'ils sont rares, que c'est un moment précieux de les voir. Et vous voyez que là, les choix sont plus forts. Il y a un contre-jour carrément, le rhinocéros est concrètement visible quasiment que comme une silhouette, il y a très peu de détails sur lui. Il y a un chemin aussi, il y a une signification dans cette image, il s'éloigne plutôt de l'objectif. Donc il y a plein de choses qui font que cette image est davantage une interprétation de mon sujet qu'une représentation. Et pour moi, c'est une de mes meilleures images de mon safari au Kenya cette année. Et j'ai envie de faire davantage d'images comme ça.